Ok, salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Sky. Je vais juste voir si ça a bien lancé le tournage parce que sinon moi j'ai pas l'air fin. Voilà, oui, l'enregistrement est bien en cours, bon parfait. Oh, Akorvax, bonjour. Je suis ravi de te rencontrer moi aussi, tu sais, t'es adorable. Entité de code, bonjour, Como. C'est bien ça, hein, Como, entité de code, voyageur de l'Atlas. Matiefka, Fitzawar, Rondkand. Ah, j'ai rien du tout dans ce truc là. La fin de vie me montre des données de recherche complexes relatives à des créatures pour voir si je les comprends. Je dois avoir l'air perplexe puisqu'elle décide finalement de projeter des images holographiques dans ma visière. Elle semble clairement intéressée par les compétences intellectuelles de mon espèce. On me montre une limace au regard vide, un marchand plus avancé doté d'un bec et sa propre race électronique supérieurement intelligente. Montrer la forme de vie électronique. Refuse de me croire. Ah merde. Bon bah écoute, bah voir ailleurs si j'y suis, écoute hein. Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire avant. Pensez à le faire, Marcus, pense à le faire. Oh, portée plus. Cool. Oh, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai un combien? 7 emplacements, moi j'ai un 8, au revoir. Va te faire foutre. Ok, bon, on va bien voir, on va bien voir. C'est que le premier, on va dire. Voilà, bon. Balle de gravitation éméril pour 4300 unités, ça me semble pas ce qu'il y a de plus intéressant. De l'or, cela dit, là, par contre je vais te le vendre. Gras, je le vends aussi. N'aimons pas le gras ici. Nous n'aimons pas le gras. Ok, bon, ça fait pas grand chose finalement que je t'ai vendu. De toute façon je crois que j'ai pas grand chose dans mon inventaire en règle générale déjà de base. Là c'est une porte, là c'est une porte. Là c'est une porte avec un vaisseau. Bonjour. Joli son vaisseau hein. Je ne comprends pas sa langue du tout. La forme de vie électronique par faire une offre pour le vaisseau. D'accord, ok. Bon. De toute façon, le vaisseau a l'air clairement optimisé pour le combat. Ce qui, pour moi, n'est pas bon. Ce n'était pas la porte. Dommage. Ok. Nous avons ce bâtiment-ci là-bas. Hop. Voilà, nous y sommes. Ça va vite des fois. Hein. Ici, nous avons. Restaurer le bouclier. Ici nous avons un multi-outil. Dégâts d'impact Theta 3. D'accord. D'accord, ok. Bon bah écoute, tant mieux. Ça c'est quoi? C'est rien. Ok, merci le jeu. Là nous avons cependant un truc qui peut être potentiellement intéressant. En fait ces choses là peuvent très bien nous envoyer en fait tout simplement vers des vaisseaux. Apparemment, la palette automatique envoyée il y a bien longtemps n'a pas reçu de réponse. Si je pouvais pirater la seconde, je pourrais potentiellement extraire les coordonnées. 1, 2, 6, 24, 120. Il me semble qu'on a déjà eu celle-là. C'est pas 720. C'est 1 fois 1, 1, 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6. 3 fois 2, 6, pardon. C'est quoi? Ah, j'en rappelle plus. C'est ça, c'est... Une fois 1, 1. 2 fois 2, 6. Bah non, c'est pas ça. 2 fois... Non, c'est ça. 2 fois 1, 2. 3 fois 2, 6. 4 fois 6, 24. 5 fois 24, 120. 6 fois 100, 6 fois 120. Ça fait... 600, ça fait 720, c'est bien ça. Hop. Voilà, coordonnées du ciel de détresse obtenu. C'est donc un vaisseau. C'est donc un vaisseau, chers amis, normalement. Génial. Putain, je crois que j'ai compris comment ça marche. Wouh, c'est la fête. Il n'y aura plus qu'à trouver le signal de détresse dans toute la... D'accord, merci. Épave de vaisseau en plus, génial. Bon bah on sait comment on fait maintenant. Ok, il va y avoir de la recherche. Hein. Ouh là là, c'est pas une porte? Là c'est une porte. Rien faire derrière ça. Tempête en approche. Mais non, c'est dans ma tête. Le problème c'est que ça doit être celle-là que j'ai pas encore visité du coup. Hop. Oh là, oui, c'est de la tempête de chez Tempête hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, rien, c'est bon. Hop, je me suis cogné mais c'est pas grave. Ok. Bonjour. Oh, bonjour. Gutschow. Apparemment les Korvax sont pratiquement tous rustes. Korvax Convergence, d'accord, Misiva. J'ai interrompu une forme de vitrine au milieu de son travail, des lumières interrogatives clignotent à mon intention sur son casque et me scanne de la tête aux pieds. Sur sa tablette de données, ses doigts de silicone parcourent des images de plantes et de créatures de cette planète, puis ajoute ma photo. Ses lumières faciales commencent à s'atténuer, son intérêt à mon encontre est peut-être en train de faiblir, il me faut l'impressionner.
Partager les données de scanographie des créatures. Oui, que je fais la même chose que lui. Voilà, bah oui, je fais la même chose que lui, donc lui il est content. Nouvelle technologie, réfrigérant phasique. Le temps de recharge du laser est fortement réduit. D'accord, ok. Cool. Mais j'ai pas assez de place dans mes dans mon multi-outil pour le moment. Hop, restaurer le bouclier. Il m'a même donné du fric, mais c'est sympa, c'est un homme sympa. Je sais plus ce que c'est ça. On va le savoir bientôt. Sauf si c'était le bouclier. Apparemment oui. Nouvelle technologie, ricochet theta. C'est une taux de défection maximale. L'utilisateur assistera à des ricochets multiples avant que la munition entre en collision avec la chair, le métal ou toute autre propriété structurelle de la forme de vie concernée. D'accord, ok, bon, pourquoi pas. Tu sais que t'es quand même mignon, toi, hein. Oh. Tiens, je te donne du carbone si tu veux. Y'a pas de soucis. 12 Corvax. Les lumières dans l'aube de la forme de vie électronique sont diffuses, mais son casque s'éteint momentanément lorsqu'elle se tourne pour me parler. Elle se reconnecte rapidement, mais j'ai la sensation que ce regard perçant appartient à une entité différente. Elle semble cependant vouloir communiquer. Voyeur de l'Atlas, cobaye. Demander des soins. Demander un nouveau mot. La forme de vie accepte de m'aider. Oui, c'est gentil. Mot donné, merci. Ok, bon, on va aller voir ce vaisseau. Je vous rappelle qu'on a à peu près une chance sur deux de tomber sur un vaisseau qui sera normalement plus comment dire. En fait là je dois avoir un vaisseau 18 emplacements. Si je me trompe pas, on va bien voir hein, mais voilà, 16 emplacements. Je peux tomber en fait soit sur une... J'ai une chance sur deux de tomber sur un 15, une chance sur deux de tomber sur un 17. Le mieux ce serait de tomber sur le 17. Épave de vaisseau, c'est juste là. Hop, on va se remettre droit. Et on se pose. Hop. Voilà. Cool. Bon bah ça marche finalement. Oh, j'ai vu même des trucs de langue ici. Il y en a deux. Si c'est pas génial. Le mot énergie encore Vax. D'accord. Et le mot perturbation. D'accord, c'est génial. Alors, autant le jeu a des défauts qui sont... Oh, il est beau ce vaisseau, dis donc. Bonjour. Tu es quoi? 17. Oui. Comparer. Et transférer. Alors, ce qu'on peut faire, bien sûr, sur le nôtre, chers amis, c'est toutes les améliorations, on peut les supprimer, tout simplement. Vous allez voir, je les démonte et je récupère, en fait, les composants de cette amélioration. Par exemple, je peux réparer... bon, pour l'instant, je peux pas réparer. Là, par contre, je peux le transférer. Hop. Mais il a beaucoup de choses déjà sur lui. Merde. Ah oui, c'est con, ça. Je vais garder un plutonium ici, tant pis. Je vais mettre le titanium et l'iridium, je vais le laisser. Ok, je peux pas, je peux pas les réparer à l'avance en fait. Bon, c'est pas grave. Ok, donc on va réparer ce vaisseau. Bouclier désactivé. Pourquoi bouclier désactivé? Ah, parce que mon bouclier est en rapport avec le vaisseau? Oui, attendez, je vais réparer tout ça, laissez-moi le temps. Hop. Résonateur dynamique, ok. Peut-être fait de la merde, là, en fait. Hein. Résonateur dynamique. Et du coup, mon vaisseau, il a disparu, ou... Peut-être fait de la merde, hein, en fait. Hein. Parce que du coup, lui... Ah non, il a encore tout le bordel dedans. Ah merde, je peux peut-être pas le réparer lui. Ah, 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 ah. Résonateur dynamique, t'es rigolo toi. Attendez. Ah, peut-être que. S'active des jeux grimpe à bord, un hologramme apparaît devant ma lumière sur le coin, ça semble diffuse. Maintenant, calmement son décès imminent, on peut entendre des bruits d'explosion et des tôles froissées. Chercher les biens transparents, chercher une technologie fonctionnelle. Je pense que c'est ça, non? Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais récupérer un débout moi pour pouvoir réparer le vaisseau. Merde. Ce plan est déjà connu, tant pis. Fluide en suspension, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas non plus. Ça c'est pas là-dedans que je vais trouver ce que je veux. Merde, comment je le répare? Ok, oui non mais c'est pas grave, le bouclier, feuille de carite. Feuille de carite, je vais en avoir sur moi. Je vais pouvoir en faire, pardon. Hop. Il me manque un petit peu de fer. Bon, je vais récupérer un peu de fer, c'est pas grave. Hop.
Ressort du vaisseau, s'il te plaît. Hop. Voilà, je devrais avoir ce qu'il faut maintenant. Hop. Ok. Normalement. Ok. Ici, feuille de carie 2, mais j'ai pas suffisamment d'iridium ni de zinc. Ça, je peux aller le chercher, c'est pas grave. Iridium pour les... Ah, attendez, c'est quoi? Réacteur de distorsion sigma. Ça, je peux le supprimer. Ça, j'en ai avoir besoin. Hyperpropulsion. Non? Ouais, c'est ça. Donc ça, il va falloir un résonateur dynamique. Résonateur dynamique, c'est ça. Dégâts de canon tau. D'accord. Refroidissement avancé sigma. Tir accéléré. D'accord. Pour ça de décollage. Réfrigérant phasique. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ok. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, tout ça, on le refera plus tard, chers amis. On le reconstruira plus tard. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. On va dire. Feuille de carite x2 et zinc. Donc, d'abord, on va récupérer le zinc. Hop, pardon, j'ai un petit rototo. Là, il y a du zinc. Hop. Crac. Hop. Ok. Ça, c'est déjà pas mal. Donc. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, c'était ça, voilà. Zinc, c'est bon. Ça. Résonateur dynamique, je vais pouvoir le trouver plus loin, j'imagine. Aller l'acheter dans une entreprise. Enfin, dans une entreprise. Dans une... Bah, de toute façon, je peux décoller avec. Qu'est-ce que j'ai laissé là-dedans? Un petit peu d'iridium. Merde. Pas le... Voilà, je récupère. Voilà, partir. Et donc normalement j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dedans, on est d'accord? Ah, je l'ai pas récupéré, merde! Ah, je voulais refaire tout ça. J'espère que... Alors si ça me supprime mon inventaire, ça serait vraiment con. Les éléments. Transférer les éléments avant d'accepter. Ah mais c'est débile! Bon, c'est pas grave. Je suis coincé. Bon bah c'est pas grave. Bah écoute. État pulsor réacteur critique. Feuille de carite et iridium. Il va falloir trouver de l'iridium alors. Eh ben on va trouver de l'iridium, chers amis. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Iridium. J'ai pas le droit de décoller sans, donc. Iridium. Ah, vous savez comment on en trouve, hein. C'est les grands trucs bizarres là. Plus quelques plantes, j'imagine. C'est du zinc, non? Du zinc, je vais le récupérer aussi, c'est pas grave. Hop! Ah, je suis vexé que je puisse pas récupérer ce qu'il y avait dedans. J'ai été stupide alors. On peut dire que j'ai été stupide. Alors. Puis il n'y en a pas un à l'horizon, hein. C'est pas comme si... Ou alors j'essaie de remettre tout dans le vaisseau, puis après... Attendez, on va réessayer. Hop, voilà. Crac. J'essaie de tout remettre dedans. Attendez. Allez, allez Marcus, je vais y arriver. Comparer. Crac. Pour un petit peu de plutonium et un petit peu d'iridium, mais l'iridium il est nécessaire. Je récupère le nickel et je mets ça. Hop. Voilà. Et donc là, est-ce que je peux remettre là-dedans? Comparer. Le nickel, je peux le virer de toute façon, c'est pas grave. J'aurais dû le virer, j'étais con. C'est pas grave, ok. C'est pas grave. Ok, et donc là.
Ah non, moi c'est de l'iridium que j'avais. Merde, j'ai fait tout ça pour rien. C'est tellement moi. C'est tellement moi. C'est pas grave. Pulse réacteur, d'accord, ok. Donc il me faut de l'iridium, finalement. Eh bien, deux feuilles de karite. Ok, bah écoute, on va chercher l'iridium, on va essayer d'en trouver, hein. Peut-être dans des coffres autour. Hein. Cargaison oxyde, mais c'est pas de l'iridium l'oxyde. Éclat de blindage, tout à fait. Gras, c'est pas ce que je recherche non plus. Ok. Allez, on va chercher, c'est pas grave. On va chercher, c'est pas grave. Hop. Ça, c'est du zinc. Je récupère quand même. Ce qui veut dire que tout à l'heure, j'en ai pas récupéré assez. Ouh là là, je me suis fait attaquer par une plante. J'ai plus de batterie au niveau de mon truc. Ouais, c'est ça. Hop. Plutonium. Ouais, bah écoute, je fais ce. Oh putain, il y en a là-haut. J'ai de la place sur moi d'ailleurs. Bon bah je vire le gras. Hop. Allez Marcus. Allez, tu peux le faire. You can do it. You can do it. Do it. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Ok. Ensuite on rejoint un bâtiment et ensuite on est bon. T'es trop fort Marcus, t'es trop fort. Oui, c'est de l'automotivation chers amis hein. J'ai remarqué que des fois, ça faisait du bien. Ce qui est un peu triste, parfois fait du bien. Hop, un petit peu d'éclairage, ce serait... J'en ai pas beaucoup, hein. Ok. Hop. Oulala, les choses qui s'enchaînent, là, c'est pas bon. Alors il va falloir un meilleur multi-outil aussi. Que je puisse l'améliorer complètement. Hop. Voilà. Pas vous mentir, ça fait du bien par où ça passe. Hein. Je suis à combien d'iridium sur moi là? 250 et 80. On va essayer d'avoir un deuxième stack. Hop, allez, allez, hop, voilà, allez, donne, 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 voilà, donne-moi tout ce que tu as, vas-y, give it to me baby, give it to me baby, give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, bon, donne-moi, 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 moi, 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 bon, c'est bon, bon, direction le vaisseau, je pense qu'on a deux stacks, bellement. Même un peu plus. Où est le vaisseau? Où est le vaisseau? Putain, je me sens con, là, c'est pas un instant, là. Hop, allez, on y va. Hop, aïe. Ça fait mal. Là, il y a au moins deux tibias qui sont passés dessus, là. Il m'en reste plus qu'un, du coup. Alors, je vous rassure, si vous avez trois tibias, chers amis, c'est pas normal, hein. Je préfère vous le dire. Si vous avez trois tibias, c'est pas bon. Regardez-moi cette beauté là-bas. Aïe. Hop, alors on m'a dit aussi, alors on va voir si c'est vrai, que de toute façon, tant que je me mets face à un mur... Qu'est-ce qui me fait des dégâts comme ça? Plein de trucs qui pètent en fait. Que tant que je me mets face à un mur, j'aurai toujours... Ah bah non, j'aurai pas une infinité de jetpack. Hein. Ah si. Qui me permet en fait de monter, d'accord, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors. J'ai pas mes feuilles de karite. Mes feuilles de karite. Où sont mes feuilles de karite? Hein? Hein? Hop! Hop! Je vais pas avoir assez de place pour les feuilles de karite. Oh merde! Je n'ai plus assez de fer. Je n'ai plus assez de fer. Je n'ai plus assez de fer. Du fer! Le fer à 10 sous, c'est pas cher! C'est bon? C'est bon. Ok. Ouais. Ouais. Voilà, c'est bon. Hop.
Réparation à distance. Rechargement. Et là maintenant il va me falloir... Oh la vache, j'avais mis tout ce que... Ah non, vous avez rendu compte de tous les trucs que comme ça que j'ai... Tous les trucs que j'ai mis comme ça. Ah bah non, je les ai pas mis. Cool. Cool. Cool, cool. C'est cool. Ok, donc déjà, tout ce que je peux mettre dedans. Ok. Tout ce que je pouvais mettre dedans, je l'ai mis. Ça, c'est bon. C'est déjà ça. Maintenant, il faut qu'on répare plein de choses. Qu'on remplisse plein de choses aussi. Comme vous pouvez le voir. Ok. Et on a encore donc le... comment ils appellent ça? Résonateur dynamique. Voilà, c'est ça. Bon, on prend le vaisseau. On décolle. Voilà. Et on va aller, je dirais, à l'abri là-bas. 3 minutes. Ce qui comme ça se transforme en moins d'une minute, ce qui n'est pas plus mal, soyons honnêtes. Ou alors on s'arrête à celui-ci pour le commencer. Ah bah en plus il est bien, bien complet, donc écoutez on va s'arrêter à celui-ci, on va s'arrêter même sur le truc. Hop, voilà. Oh merde, il se gare juste devant, qu'il est con. Ok c'est pas grave, et donc du coup tu ressembles à... Oh, il est mignon, j'aime bien, sympa. J'aime bien. Ok, sauvegarde. Ça va être important, sauvegarder. Ok, c'est fait. Bon. Ah, forcément. Yo. Bonjour. Qu'est-ce que tu as là? Il est joli, dis donc. Combien de... C'est un 7? J'en ai un 8, désolé. Bon. Je viens parler d'abord à ton robot. Hein? Tu vois le truc? Acheter des articles dans le centre de réseau... Enfin, bref, voilà. Matrice dimensionnelle. Y'en a pas. Y'en a pas. Y'en a pas. Entité chef des opérations. Bonjour. Voyageur, Corvax Convergence. Le reste, Charabia Convergence. Une aiguille métallique acérée émerge de la paume de la main de la forme de vie si vite qu'elle est à quelques centimètres de mon front avant même que je puisse cligner des yeux. Une goutte de substance étrange, probablement toxique, semble sur le point de couler de la pointe sur ma visière. Elle reste suspendue pendant que l'entité attend de recevoir l'ordre de la plonger dans mon cerveau. Refuser l'excavation, prendre l'aiguille, prendre l'aiguille. L'entité est déçue, d'accord. Oh, pauvre petit père. Le ciel est mort, c'est quoi ce... Le ciel est mort. Apparemment, je suis diplomate. Ah bah, il doit être ça, oui, d'accord. Allez, diplomate, waouh, trop cool. Allez, tu peux le faire. Disparais. Merci. Nouvelle technologie découverte, concentrateur de rayon Theta. D'accord, ça peut être intéressant. Hop, santé maximale. Bouclier maximum. Ok, ça c'est fait. Ok. On va aller visiter les autres bâtiments. C'est juste dommage que... Bah, que ce soit pas... Que ce soit pas... disponible dans ce marché. Si je puis dire. Allez. Hop. Oh mais merde. Ça descend vite hein. Ah, du langage. Mot bloqué. Technologie de mise. Nouvelle technologie, rayon d'effet tôt. D'accord, ok. Pourquoi pas hein. Cependant oui, on n'a pas malheureusement ce qu'il nous faut là. Je pensais qu'on allait en trouver dans chacune des stations. Mais non, c'est un peu trop facile je présume. Du coup, bah on va trouver un autre endroit pour récupérer ça. Abri. Tout le transmission. Bah écoutez, on va commencer par l'abri qui est là-bas. Et nous verrons bien. Hop. J'aime bien l'interface de ce vaisseau, en tout cas le visuel qui est à l'avant est vraiment cool. Ou alors, bah au pire, dans le pire des cas, on monte sur une planète. Enfin sur le comment. Ouais tiens, on est con. Il est trop con. On devrait aller dans la station. Ou plutôt je suis trop con, chers amis. Le prenez pas mal. Hop.
peu de tamium. Voilà. Apparemment, le canon à photons est déchargé. Canon à photons. Ah non, il n'est pas déchargé. Rayon phasique, canon à photons. Ok, bizarre. J'imagine qu'il faut que je me mette sur une station pour le réparer. Parce que je peux pas sortir pour le réparer, là j'imagine. Ça me semble logique, dit comme ça. La station donc. Hello ? Bâtiment abandonné, coquillage et crustacé. Non mais moi c'est là, ah voilà. Non, attends. Mets-toi bien en position Marcus, sois sage. Et boum, voilà. Ok, on y va. Je pense qu'on pourra trouver de quoi réparer ça sur la planète, je pense. Mais en tout cas, on a trouvé un vaisseau qui était normalement plus à même de transporter plus de choses, qui est toujours un bon point. Le maximum normalement qu'on peut trouver, je crois que c'est 48 de mémoire. Donc on en est encore loin, comme vous pouvez le voir. Hein. Mais je pense que si on pouvait passer un petit peu, genre jusqu'à 25-30, entre 25 et 30, ça pourrait être sympa. C'est long, dis donc. C'est vachement loin, hein, comparé à ce que j'imaginais. Ok, je crois qu'il y a eu un gros bug, en fait, là. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on booste. Bah non, on booste pas, on reste dans la... Hop, dans la marge de vitesse, allez, boost. Et on rentre, c'est parfait. Hop, ok, on va pouvoir voir notre vaisseau, ça va être sympa. Allez, c'est bon. Ok, on descend. Ah bah, il faut qu'il tourne. Ah, j'aime bien, moi. Je trouve sympa. On n'avait pas encore vu en plus des comme ça, c'est cool. Dommage qu'il n'y ait pas la customisation visuelle des vaisseaux. C'est tout con, mais... Symphonie pour un voyageur égaré. Honnêtement, là, il commence à me parler tellement que... Je crois qu'on lui a déjà parlé à lui, hein, d'accord, hein, oui. Tiens, vas-y, prends un petit peu de carbone. Voyageur, Corvax Convergence. On a du carburant. La recharge du bouclier. Non, c'est pas la peine, je voulais un nouveau mot, moi, c'est pas... Enfin bon, c'est comme ça. Ok. Est-ce qu'on a un machin de saut, normalement, là-dedans? Oui. Il y a intérêt à ce que oui, on en ait un. Résonateur dynamique pour 33 000. Parfait, je prends. Ok. Cool. Merci. Normalement, je peux réparer mon vaisseau. Hop, voilà. Cool. Eh ben, on a réussi finalement, chers amis. Finalement. Ok. Il m'en manque une, forcément, parce qu'il me manque un petit peu de zinc. Ok. On essaie toujours en avoir deux sur nous, hein, ça peut être pratique. Ok, ça c'est bon. Ici on peut peut-être recharger. Un petit peu de plutonium, ok, c'est bon. Ici on a quelque chose à recharger, le plus au réacteur. Recharger avec un petit peu de tamium, d'accord. Ah oui, et ceci. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'il dit non, en fait? C'est ça le truc. Ok, ça on vire. Installer une technologie, armement. Il manque un petit peu de fer, refroid. Alors ça c'était quoi? Dégâts de canon Sigma. Refroidissement avancé, refroidissement avancé, tir accéléré. Ok. Il faudrait plus de nickel, le nickel que je viens de virer, forcément. Oui, bah écoute, on verra ça une autre fois. on va quand même passer vite fait... voir là-bas. Il va falloir qu'on trouve maintenant un moyen de se faire aussi beaucoup d'argent. Ça va être nécessaire. Ça va être extrêmement nécessaire de nous faire du fric rapidement et en quantité. Donc il va falloir voir ça aussi. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas encore une fois à les mettre dans les commentaires, chers amis. Je serais ravi de les utiliser et de les partager avec vous tous, littéralement.
Vais-je avoir cependant suffisamment? Ah bah j'ai déjà acheté. D'accord. Ok. Ah oui, carrément. Donc en fait, oui, je peux me barrer, quoi. C'est. Ok. Hop, c'est bon. Eh bah écoute, on va se déplacer encore une fois de. Bah de 1. Hop, on va pousser un petit peu plus loin vaisseau. Hop, espérons qu'on va trouver d'autres types de planètes parce que là je trouve que c'est pas. C'est pas les plus belles, hein, comme on dit. D'accord. Ok, et donc nous irions par là. Toxique. Et là ce sera. On n'en sait rien. Ok, bah écoute, bah on y va. Et piou! La lumière, la lumière! La lumière! Au moins ce vaisseau fonctionne bien. Oh, regardez, en plus la grosse. J'avais pas remarqué la taille des commandes des écrans. Sympa. Même si on sent qu'il manque en fait un truc entre les deux écrans. Hein. C'est pas un écran. Une grosse barre noire. Hein. Ah, j'aime bien ce vaisseau, il est stylé à l'intérieur. Anomalie spatiale. Eh bah écoutez, on va aller là. On va aller là. Hop. Allez. Allez, pousse. Voilà. Il me semble que c'est là-dedans qu'on pourrait potentiellement obtenir le pass V2. Hein, en tout cas, le schéma. Hein, ce serait vraiment bien. Hop. Voilà. C'est cool, ça. Oula, on frôle un petit peu le haut. Hein. Si on pouvait éviter de les frôler, ce serait bien. Merci. Ok. Ok, c'est ouvert. L'espace est vert dans ce jeu, c'est très bizarre. Bon. Ok. Salut les filles. Ah, vous êtes les mêmes en fait, c'est ça? Bonjour. Il est mignon lui, j'adore avec ses lunettes. Polo le spécialiste, mais c'est les mêmes. Ok, salut Polo. Meilleur ami. Parle, lis, étudie les monolithes, renforce ton cerveau comme tu renforces tes gens à explorer, se découvrir soi-même, mon ami. Oh, il parle bien. Polo, salut allègrement quand je m'approche de lui. Il semble me voir comme un proche en quête d'exploration et d'invention. Je ne suis pas certain de vouloir partager cet état d'esprit. Le geek est particulièrement fasciné par la façon dont mon cerveau réagit aux interactions avec les langues et les cultures extraterrestres. Puis-je véritablement capter l'essence de concepts qui me sont si étrangers? Suis-je limité dans ma capacité d'apprentissage? Je me suis posé ces questions moi aussi. Transmettre les données de langue obtenues de niveau 3 ou plus. Le gars qui fait fonctionner apparaît au-dessus de ma tête, ses mains tremblent de joie. Ensuite, il trafique faiblement une étrange machine, puis me tend un schéma, tout fier de lui. Le pass V2. Ce plan est déjà connu, dommage. Ah, c'est pas ça que je voulais. Ah, il me manque un de carbone. Il me manque un de carbone. Non. Faudra que je retourne les voir, je pense. Bonjour madame la prêtresse qui ressemble à un homme. Visiteur connu, bienvenue, encore aide. Retournez aux commandes de l'Atlas. Trouvez au centre galaxie signification. Aide pour le voyage, décision. Ressources pour faciliter un raccourci pour accéder au centre. Reprendre la voie. Ressources pour faciliter l'exploration. Module de survie Sigma. Bon, on reviendra les voir, hein, c'est pas grave. On reviendra les voir quand on aura appris un peu plus de langues. Ok. Hop, on va se poser sur une planète. J'espère qu'elles vont être sympas. C'est parti. Canon à photo, 0%, c'est bizarre ça. Rayon phasique. Oh. Oh, bah oui, mais ça fallait me le dire hein, depuis le début. J'ai pas l'air con moi. Hop, ok. Bon. Une planète peut-être. Ouh, ça a l'air pas très drôle. Eh ben on y va. Ah, proximité d'une station spatiale. Ok, je me pousse. Enfin, j'essaye. J'essaie de me pousser, mais c'est compliqué apparemment. Allez, hop. Pouf. Voilà. La vache, elle est quand même loin. Elle est à 17 secondes, 16 secondes, 15 secondes, 14 secondes. Mais bon, tout ça, ce n'est pas grave. On va enfin découvrir une nouvelle planète. Alors. Il y aura la lave un petit peu partout, ce qui n'est pas forcément très bon signe pour moi. Ça veut dire qu'il va faire chaud. Hello there. C'est de l'eau, c'est quoi? C'est encore tout rouge. C'est encore très moche, hein.
Et tout ça mis à part, il y a des stations quelque part que je puisse visiter. Ok. De l'or un peu partout, ce qui est à la fois génial et pas génial. Quand même aller récupérer un petit peu d'or, hein. Moi je suis pas contre, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, salut. Salut bébé. Hop, donne-moi tout ce que tu es, tout ce que tu as. Tu es à moi, littéralement. Hein. Parlez pas comme ça aux femmes. Hein. Tellement quand on dit à une femme qu'elle est qu'elle appartient à quelqu'un, c'est pas bon signe. Hop. L'or, c'est de l'argent en barre, littéralement. Hein. L'or, c'est de l'argent en barre. Vous voyez la blague ou pas? Bref, il y a tellement de conneries qui se passent dans ma tête que je vais arrêter de... Oh là 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 là. Non, je vais pas arrêter en fait. Oh la grosse bébête là-bas. Oh la grosse bébête là-bas. Bon, on fait combien de l'or? J'ai fait que ça? Attendez, à beaucoup plus. Ok. Bon. C'est vrai que ça n'avance pas. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas capté au niveau des améliorations? C'est possible, hein. Parce que là, la dernière fois, on a avancé pour avoir de la vitesse d'extraction du terrain. D'accord. D'accord, bon bah je sais pas. Je sais pas. Hop. J'ai pas l'impression d'aller vite en fait, c'est ça le truc. Là j'en ai pour 33 000 unités quand même, hein, vous me direz. Hop. Crac. Hop. Bon. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas génial à regarder, hein, honnêtement. Faudrait pouvoir farmer ça avec le vaisseau, on t'envoie un gros rayon tracteur sur le sol et bim. Voilà. Mais bon, ça arrivera peut-être avec des mods ou des mises à jour. Hein. Il y aura sans doute des mods. Et je sais pas en fait. Peut-être que je vais au bout d'un moment, au bout de quelques épisodes là, peut-être que je vais rusher le centre. Et ensuite, on reviendra que quand il y aura des grosses mises à jour sur le jeu. Hein. Ça pourrait être une idée, je pense. Peut-être en live, je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, les lives, j'ai du mal à trouver le temps pour en faire, malheureusement. Là, je vais avoir encore une semaine compliquée. Bien, en fait, vous voyez par exemple, là, pour aller chez le coiffeur, faut que je prenne sur 15 jours. Que je m'avance sur. Enfin, que je donne un rendez-vous sur 15 jours. Pour être sûr d'avoir le temps et pas me retrouver complètement à la ramasse. Ce qui, au bout d'un moment, fait qu'en sorte que vous vous posez des questions en fait. Mais bon, c'est comme ça. YouTubers Inside Life. Ok, le vaisseau. Là. Ah, il est vraiment pour aller sur le bord, hein, c'est. La physique, je t'emmerde. Hop, ce qui nous fait un total de combien d'heures? Presque un stack. Bon, pourquoi pas. Tu devrais m'envoyer encore plus haut, toi. Alors, un petit scan, vas-y. Là, il y a un truc. Ça pourrait pas être un village, hein, maintenant. Hop. Ça va être dans le trou à tous les coups, en plus. Non, c'est bon, c'est juste... Bah, j'ai rien dit, c'est dans le trou. C'est littéral. Oh! Je m'attendais pas à ça. Tant mieux. Hop! Héritage des. J'ai pas eu le temps de lire. De Exkipaga. L'étrange monument dispense la sagesse des échos Corvax à ceux qui le désirent. J'ignore quel dialecte il parle, mais je comprends l'histoire de ceux qui venaient prier ici. Les échos Corvax comptant. Comptant une époque lointaine. Pardon, j'arrive à laquelle. Je vais arriver à parler. À laquelle les monolithes. Alors, les Echo-Corvax comptant une époque lointaine à laquelle les monolithes de l'Atlas éveillaient la civilisation de l'extrémité. Leur présence les emplissait d'une soif de savoir. Des empires naquirent de ces balbutiements, s'exprimèrent et se turent. Une éternité inquantifiable s'écoula. Demandez de l'aide pour comprendre la langue. Ma connaissance de la convergence Corvax est accrue. Génial. Mot silicate. Très intéressant. Génial d'avoir trouvé ce mot. J'aimerais cependant. Oui, il n'y aura pas de point de sauvegarde à tous les coups. Hop.
J'aimerais cependant trouver un point de sauvegarde, maintenant qu'on est sur un autre système et une nouvelle planète. Ce serait vraiment bien. Apparemment, ça va être compliqué. Quand tu scannes et qu'il n'y a rien devant toi. Ah, attendez, un petit quelque chose là. Hop, on se pose. Voilà. Bon. Ah, ça va être un truc pour acheter une... Et je vais pas avoir les sous. Je vais clairement pas avoir les sous. Si, peut-être de l'or. Ça, c'est bon de trouver de l'or comme ça, dis donc, ouais. Ça soulage, hein, comme on dit. Hop. Donne-moi l'or. D'ailleurs, tu peux même donner le plutonium au passage, hein, y a pas de souci. Vas-y, attaque. Je t'attends. J'ai au moins deux stacks d'or, là, c'est ça que t'es en train de me dire. D'accord. Bon, je vais me faire un petit peu de plutonium, alors. Oh, t'es hostile? T'es où? Hop, voilà. Tu n'existes pas dans ma réalité. Je suis désolé. Hop. J'ai allumé ma pétoche, mais je vois pas trop de différence. Là, je vois un gros truc dehors, donc je ne peux pas résister. Voilà, merci. Hop. Arme déchargée, la vache. Ça descend tellement vite. Hop. Ça c'est quoi? Du carbone. Je vais en récupérer parce que j'en ai jamais assez finalement. Je vais me faire scanner moi encore. J'aime pas ça. Hop. Je détruis tout moi monsieur. Hop. Voilà. Plutonium. 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 Vas-y agresse moi je t'attends. Voilà, merci. T'es où? T'es où? Qu'est-ce que... Ah, c'est toi. C'est toi qui m'as agressé, je comprends mieux. Oh, il y a encore de l'or ici. Je suis aveugle. Hop. Bon, je pense que niveau plutonium, on est bon, là. Oui. Oui, je pense qu'on est bon, oui, effectivement. Hop. Oui, je pense qu'on est bon. On est bon. Donc, là-dedans, est-ce qu'on peut s'acheter la place supplémentaire? Combien tu me la vends? 120 000, j'ai 166 000. C'est juste, hein. C'est juste, c'est juste. Falloir qu'on se fasse du fric, chers amis. Bon. Ok. Sauvegarde. Et nous allons nous laisser là pour cet épisode, les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver les liens dans la barre de la chaîne. Commenter si vous avez des conseils, des astuces, tout simplement pour commenter, dialoguer avec moi. Ou en tout cas, me faire part de vos impressions. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop!